depuis un an. Nous sommes en train d'expérimenter sur le TBI dans le bain interactif. Et il y a eu beaucoup d'acquis. Le TBI est une formation qui nous permet non seulement de travailler avec la nouvelle technologie de l'information, mais surtout de capaciter les enfants comme nous-mêmes dans l'apprentissage justement des différentes disciplines. C'est un projet qui nous met en contact avec les outils nouvelles. Ça nous profite beaucoup. Nous avons également la chance de suivre une très belle formation qui nous a permis quand même de faire d'excellentes choses. On a beaucoup appris la dernière, mais on n'a pas tout maîtrisé. Ce que nous sollicitons, tout simplement, c'est donc une rémédiation. Pour permettre justement de consolider les acquis. Ce que je souhaite plus, c'est consolider ce que j'avais déjà acquis l'année dernière. Que la formation puisse être une formation continue, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus à l'aise dans les classes avec ce TBI. Je souhaiterais qu'il y ait plus de pratiques. Que ça soit très pragmatique, afin qu'on puisse mieux saisir l'outil. Nous attendons également de vous donc la formation au niveau, n'est-ce pas, donc technique, l'aspect technique. De renforcer les compétences, notre capacité à utiliser le matériel informatique, donc l'utilisation du TBI dans les classes pour que nous puissions vraiment nous approprier de ce matériel. Qu'il y ait plus d'indications par rapport à la recherche au niveau des ordinateurs, au niveau des logiciels. Que les enseignants puissent avoir plus de capacité de créer des exercices. J'inviterai tous les collègues à pratiquer davantage la machine. Parce que sans la manipulation, sera difficile toujours d'atteindre nos objectifs. J'exhorte particulièrement tous les collègues à faire des recherches personnelles. Il nous faudrait aussi aller dans le sens de la création d'outils. Parce qu'on a vraiment besoin de créer. Pour ne pas être disponible dans l'ordinateur. Il faut fouiller, il faut manipuler davantage. Parce que du côté des élèves, je n'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs, à part les moments, ils commencent à réclamer, vraiment des leçons sur le TV. Quand les enfants sont en classe, ils sont en train de manipuler sans ma présence et je vois que ça les attire plus que le tableau mural en question. C'est la méthode active où l'élève est au centre de la classe. Donc il faut que les élèves puissent faire découvrir eux-mêmes leur propre enseignement. Le maître n'est là que pour nous guider, pour éviter de faire l'enseignement frontal. Quelque chose qui motive les élèves. Donc, tout ce qui motive les élèves, c'est très indispensable pour les enseignements d'apprentissage. Nous vraiment souhaitons que nos élèves aient beaucoup de performance avec la manipulation du matériel TBI. Ces élèves sont déjà engagés. Donc, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement les responsabiliser le plus. La maîtrise de l'outil. Très familier avec le matériel TBI. J'aimerais vraiment ajouter un peu plus du son. Dispenser beaucoup de leçons avec eux. On puisse, je ne sais pas ce sera si un bloc qu'on puisse échanger. Créer une certaine mutualisation de ces recherches. Il faudra certainement partager. C'est à partir de l'échange qu'on pourra avancer. On va devoir encore davantage nous y mettre pour faire avancer encore le TBI. Et je souhaite une très bonne continuité. Tout notre souhait, c'est que ça réussisse, que ça gagne davantage dans les classes. Avec le TBI, tout marche bien dans l'enseignement.